Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto sur Illustrator. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit perso assez rigolo en vectoriel. Donc rien de bien compliqué, d'autant plus qu'on va utiliser uniquement des formes prédéfinies par Illustrator, à savoir l'outil Ellipse qu'on va utiliser tout au long du tuto, un petit coup de cutter, enfin de ciseaux même de temps en temps pour couper certaines formes, et puis on va s'aider aussi de temps en temps de l'outil plume. Ce que vous voyez à côté, c'est tout simplement les tracés qu'on va réaliser tout au long de ce tuto. Donc il faudra réaliser tout ça pour arriver à ce résultat. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je vous demandais de télécharger le fichier source puisque on aura besoin de ce gabarit de page, puisque je vous ai mis en haut à droite le petit modèle qu'on va essayer de reproduire. J'ai mis le modèle exprès puisque je vais faire certaines manipulations et certains chevauchements aussi de forme, donc afin que vous compreniez mieux ce que je fais, c'est pour ça que je vous ai mis le petit modèle, comme ça on pourra se référer de temps en temps à cette petite sucette. Donc on va venir commencer le tuto tout de suite. On va venir sélectionner l'outil ellipse. Donc si par défaut vous avez le petit rectangle, de sélectionner, on va venir cliquer dessus, on garde le clic enfoncé et on vient sélectionner l'outil ellipse. Donc le fait de garder le clic enfoncé, ça nous ouvre cette petite fenêtre d'options de forme et là on peut venir le sélectionner. Donc le raccourci clavier de l'outil ellipse, c'est L. On va venir créer un cercle, donc là on va venir appuyer sur Shift. Ah oui, aussi petite précision, j'ai l'habitude de faire des persos et j'ai une petite technique que je trouve assez pratique, c'est de supprimer la couleur de premier plan, donc de fond, et de ne garder que le contour. Donc par exemple si vous êtes en blanc comme ceci, on va venir cliquer ici sur cette petite icône pour supprimer la couleur de fond et de ne garder que le contour. Donc là du coup on peut appuyer sur Shift pour créer un cercle bien rond. Parce que si on n'appuie pas sur Shift, vous voyez, on peut facilement créer des ovales. Donc on appuie sur Shift, on fait un cercle à peu près gros comme ça. Pas trop beau puisque au-dessus, vous voyez, on va avoir quand même des cheveux, je ne sais pas si on peut appeler ça des cheveux, des froufrous de papier de bonbon. Et puis en bas on va voir quand même ses pieds puis sa flaque de bave. Donc pas besoin de faire un cercle non plus trop gros. Alors, ça devrait être pas mal comme ça. Donc maintenant qu'on a fait notre premier cercle, qui va correspondre au corps de la sucette, on va pouvoir s'attaquer, vous voyez, à ces petites parties qui vont contenir les papiers de bonbons. Donc en fait, pour créer cette partie-là, on va créer deux cercles. Donc du coup, on va venir sélectionner notre cercle qu'on a créé ici, et on va appuyer sur Alt pour le dupliquer. On appuie sur Shift et on va sélectionner un angle ici, donc n'importe lequel, que ce soit à gauche, droite, n'importe où, en haut, en bas. On vient le rétrécir à peu près comme ceci. Je vous donne pas des valeurs exactes puisque je trouve que ça sert pas à grand chose. Au contraire, si vous faites quelque chose d'un peu différent, ce sera pas plus mal. Donc là, l'idée, ça va être de placer notre cercle à peu près ici et de créer un repère. Donc pour créer un repère, si vous n'avez pas les règles d'afficher, si vous êtes comme ceci, vous appuyez sur CTRL ou commande R pour les afficher. On va venir cliquer ici dans la marge du haut, donc dans les règles, et on va venir, tout en maintenant le clic enfoncé, descendre notre souris à peu près, jusqu'ici. Et du coup, on se rend compte que le cercle il est peut-être un peu gros encore. Donc on peut venir le réduire un petit peu. Donc là, vous voyez le milieu absolu du cercle, c'est le petit point bleu ici au centre. On va essayer de le mettre à peu près sur le repère que l'on a créé. D'accord ? Donc là, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va venir le dupliquer. Donc pour le dupliquer, vous rappelez, on le sélectionne, on appuie sur Alt. Et là, on va venir encore une fois le rétrécir un petit peu. On peut
se positionner à peu près, on va dire comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez, là, il y a vraiment deux cercles ici. Donc là, je pense qu'on est bien. Pour faire le papier de froufrou, pas le papier de froufrou, le papier de bonbon, soit on utilise la plume, soit on utilise l'outil pinceau. Alors, ce qu'on peut venir faire même, c'est repasser sur le modèle, à peu près, hein. Quelque chose comme ceci. Hop, et voilà. Là, on peut venir, du coup, vu qu'on est, on a un contour ici, on peut venir cliquer sur la petite flèche ici pour permuter le fond. Hop. Et du coup, pour remplir cette forme de noir. Donc du coup, qu'on peut venir faire, c'est augmenter légèrement cette forme, la faire pivoter. Donc on se place avec la flèche noire sur un angle, la double flèche apparaît, et on peut, voyez, faire pivoter facilement la forme. Voilà. Donc maintenant, on va venir sélectionner ces deux formes, et on va venir intervertir ici, vous voyez, le contour et le fond, pour les remplir de noir. On va venir dupliquer le gros cercle ici, hein. On appuie sur Alt, on le met de côté, et le plus gros cercle, on va venir le sélectionner, et on va venir, si on n'a pas les contours ici d'afficher, on va venir cliquer sur Fenêtre, Contour. On va lui spécifier Signigrès, on va lui mettre 1,5 à peu près, et puis on va lui spécifier une couleur à ce contour en blanc. Donc là, on ne voit pas grand chose, mais c'est normal. Là, l'idée maintenant, ça va être de venir sélectionner ces deux formes, de cliquer sur Fenêtre Pathfinder, et là, on va venir cliquer sur Soustraction. Donc en fait, comme l'icône ici l'indique, si on clique dessus, voilà, l'icône du dessous vient se soustraire à l'icône du dessus, pour ne garder en fait que un petit croissant de lune, on va dire. Maintenant, on va pouvoir venir replacer notre cercle à peu près ici. Voilà. Pour avoir, on va dire, un petit effet, vous voyez, de transparence entre les deux là. Donc après, à vous de gérer la transparence, enfin la distance hein, entre ces deux cercles. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du coup, on peut peut-être baisser un petit peu, enfin faire mordre le papier un peu plus là-dedans. Voilà. Une fois qu'on est OK, on peut venir sélectionner ces trois formes. On peut appuyer sur CTRL-G ou CMD-G, et le fait d'appuyer sur CMD-G, on vient de tous les grouper. Pour les dégrouper, c'est CMD ou CTRL-SHIFT et G. Et là, vous voyez, avec notre flèche noire, on peut venir du coup séparer nos calques les uns des autres. Donc là, l'idée, c'est de les grouper, puisqu'on va venir appuyer sur ALT et SHIFT pour rester droit, et on va venir le repositionner à peu près ici. De l'autre côté, vu que c'est une symétrie parfaite, on va venir cliquer sur l'icône outil rotation, on laisse le clic appuyé, enfoncé, pardon, et on vient sélectionner outil miroir. Là, on va appuyer sur Shift et on va donner un petit coup de rotation pour pouvoir tout simplement appliquer une symétrie parfaite. Si on est décalé un peu comme ça vers la gauche, pas de souci, on appuie sur Shift pour rester droit et on se repositionne à peu près comme ceci. Donc là, on a bien une symétrie parfaite hein, entre... de ces deux formes, on resélectionne cette forme, on appuie sur Alt pour la dupliquer, et là on va venir la pivoter, on va essayer de se mettre à peu près droit comme ceci, hein. Et on va venir appuyer sur Shift et on va venir augmenter légèrement la taille, voilà, de cette forme. Donc là, je pense qu'on est bien, on n'est pas trop mal. On peut venir baisser légèrement tout ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce cercle, on peut peut-être le remplir de blanc au niveau du fond. Donc, on clique dessus. On va dans le sélecteur. On le remplit de blanc. Et là, vu que c'est la première forme que l'on a créée, forcément, elle se retrouve en arrière-plan. Donc, objet, disposition, premier plan. Voilà. Donc là, on a quelque chose
commence, on va dire, à ressembler à ce modèle. Donc les ombres, on les applique, et les lumières, on les appliquera tout à l'heure. Là, à la limite, on peut rester en noir, c'est très bien. Au niveau du contour, ce qu'on peut venir faire, c'est cliquer donc sur le gros cercle blanc, et on va venir cliquer sur contour, et on va lui spécifier un contour un peu plus gros. Par exemple, on va se mettre en 2,5. Voilà. Maintenant, on va essayer de venir créer cette partie de la sucette. Donc, ce qui correspond à la partie centrale. Hein. Donc, on va venir sélectionner l'outil ellipse, encore une fois. Et là, on va venir faire une ellipse un petit peu écrasée. À peu près comme ceci. Donc, à la limite, vous me regardez faire et vous allez mieux comprendre pourquoi. Histoire de voir un petit peu plus clair, hein, je vais la mettre d'une couleur verte. Et on va venir la dupliquer en appuyant sur Alt et Shift. On va venir se positionner à peu près comme ceci. Sauf qu'on peut tirer un peu plus l'ellipse encore, comme ça. On vient la dupliquer. On appuie sur Shift pour rester droit. Et puis on la positionne à peu près, on va dire, à ce niveau. L'idée, ça va être de sélectionner ces deux formes. Et là, au niveau des Pathfinder, on va venir cliquer sur Soustraction. Et voilà, là, on a réussi à faire, vous voyez, en quelques clics, l'anneau central de notre sucette. Donc on essaye de se positionner à peu près comme il faut. Vous voyez, comme ça. Si on veut étirer un petit peu plus, bon, elle nous empêche hein, d'élargir un petit peu plus la forme. Voilà, comme ça. Là, on peut écraser ça un peu plus. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut venir la placer un petit peu plus haut en fait, puisqu'en dessous en fait on va venir créer la bouche, donc on aura besoin de place. Donc à la limite on n'hésite pas à la placer un petit peu plus haut, voilà, comme ça, ça me paraît bien. Ok, alors maintenant on va pouvoir venir créer dans un premier temps la bouche ou les pieds. Oh, allez, on va faire la bouche. Donc, on va venir dupliquer cette forme verte. Donc, on laisse en vert pour l'instant, hein, puisque vous allez voir qu'on va avoir besoin de cette couleur. Puisque là, on va venir la dupliquer en appuyant sur Alt et on appuie sur Shift pour rester droit. On prend un angle en bas à droite, par exemple. On appuie sur Shift et on la retourne, comme ceci. Là, on va venir... Alors, peut-être que vous avez l'outil gomme ici, comme ceci. Donc, on va venir prendre le ciseau. Pour prendre le ciseau, on reste appuyé comme ceci sur la gomme et on vient sélectionner l'outil ciseau. Raccourci clavier, CC. Donc là, on va venir cliquer, donc on peut venir zoomer un peu plus, sur ce point d'ancrage ici et sur ce point d'ancrage ici. On va venir prendre l'outil flèche blanche et on va venir supprimer ce qui ne nous intéresse plus. Donc on supprime tout ça. On supprime ça aussi, ça aussi. Donc le fait d'avoir pris le ciseau, ça nous a vraiment en fait divisé nos points, ce qui nous permet de garder uniquement, vous voyez, cette partie. On va déjà enlever la couleur verte qui va correspondre au bas de la bouche. Vous voyez, cette partie là. Donc on peut remonter ça légèrement. Voilà, à peu près comme ceci. On peut même le remonter un petit peu plus. Voilà. Donc si vous voulez étirer un peu plus la forme, eh bien, vous cliquez, vous sélectionnez et vous étirez un peu plus pour élargir la taille de la bouche. Donc on pourra venir faire des réglages tout à l'heure si on voit que la bouche est un petit peu trop étirée. Là, on va venir faire les pieds ou les dents. On peut venir faire les dents, pourquoi pas. Donc, à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir prendre l'outil ellipse, encore une fois, hein,
Donc là, vous voyez qu'avec des formes simples, hein, on peut réaliser quand même des choses assez rigolotes. Donc on va venir prendre l'outil ellipse, on va venir créer un cercle, à peu près comme ceci. Donc hein, on peut enlever, on va laisser la forme verte pour l'instant, c'est pas très grave. On va reprendre l'outil ciseaux, et on va venir tout simplement, comme tout à l'heure, couper sur ce point et sur ce point. On fait supprimer avec les touches de son clavier. Là, on peut dézoomer un petit peu. Et là, pareil, hein, on sélectionne, on appuie sur Shift, par exemple, et on vient pivoter pour se remettre à peu près droit. Donc cette grosse forme, la verte, hein, déjà, on peut peut-être lui spécifier une couleur différente. Donc, à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est double-cliquer sur l'icône, enfin la couleur de premier plan, hein, et mettre un petit rose à la limite en attendant, histoire de voir de se rendre un peu mieux compte, hein, du résultat. Pour si vous voulez reproduire les mêmes couleurs, à la limite, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est créer en haut, on va créer un petit carré et on va venir prendre la pipette et on va venir cibler la couleur la plus foncée. Vous voyez, hop, il nous reproduit directement la couleur. Ça peut être bien de se faire un petit panel de couleurs aussi, hein. Là, à la limite, on va venir sélectionner ce petit carré, on reprend la pipette, et là, hop, on sélectionne la couleur, une couleur un peu plus foncée. On vient dupliquer ce petit carré, on reprend la pipette, et on vient sélectionner la couleur la plus claire. Donc voilà, là on part sur trois couleurs, et on allait oublier la petite couleur verte quand même. Voilà, comme ça ce sera un peu plus bas agréable, hein, déjà au niveau du visuel, puisque ça va nous permettre de sélectionner déjà toutes ces formes. Vous voyez, on les sélectionne, on appuie sur Shift, on prend la pipette et hop, on reclique sur la couleur la plus foncée. Donc, je pense bien que c'était la couleur la plus foncée. Ouais, ok. Au niveau de cette forme, hein, on peut lui spécifier la couleur la plus claire, par exemple, en attendant. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il nous a, par contre, enlevé le contour. Donc, hein, on peut lui remettre un contour, si on veut, hein, de 2, par exemple. Hein. Voilà. On viendra rectifier ça tout à l'heure. Au niveau des dents là, qu'on a créées, pareil, hein, on va venir lui spécifier la couleur la plus claire. Enfin, même pas, on va se mettre en blanc plutôt. Voilà. On va peut-être rétrécir légèrement tout ça, comme ceci. Et puis, bah là maintenant, hein, c'est une question de patience. Va falloir lui créer une belle dentition. Donc voilà, on n'a plus qu'à. On n'a pas besoin. On peut tirer légèrement de temps en temps la forme, hein, pour l'agrandir. Voilà. Donc on peut céder des touches directionnelles, encore une fois. On étire légèrement. On pivote. On cède des touches. Voilà. On étire légèrement. On pivote. Pour pivoter un peu. Voilà. On peut même décaler légèrement. Donc là, on est pas mal. Et pour aller plus vite, hein, ben, on va tout sélectionner. On va appuyer sur Alt. On va venir prendre encore l'outil miroir et on lui applique une rotation. On essaye de se recaler à peu près comme ça. On peut même lui faire les dents de la chance pour rigoler. Et là donc on vient repivoter et on cède des flèches. Voilà. Ou à la limite,
On essaie de bien se recaler plutôt. Et on va lui recréer une dernière dent, une qui sera un petit peu plus grosse. Voilà. À peu près, hein. Peut-être plus pivoter un peu plus. Des fois, hein, vous n'hésitez pas à zoomer. Vous pouvez venir replacer, hein, légèrement comme ça les dents. Voilà. Donc du coup, bah, la dernière, hop. On n'a même pas besoin de la mettre plus grosse. Est-ce qu'elle pue le poil? Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. À la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer encore une fois ce calque, le copier, le coller. On vient le retourner. On essaie de bien se repositionner. Comme ceci. Et là, on peut peut-être augmenter son contour. Donc son contour, on va le mettre à 4. Et on va venir descendre un petit peu tout ça. Voilà. On va venir le descendre un petit peu comme ceci. Comme ça, on a des dents qui sont parfaites au niveau des gencives. Bah, vu qu'on est un petit peu feignant, hein, on va venir sélectionner tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et on va venir retourner pour la dentition d'en dessous. On va venir en supprimer quelques-unes aux extrémités, par exemple. Et on va venir descendre tout ça. Voilà. Ça aussi, on peut descendre un peu. Voilà. On peut pivoter, hein. On n'est pas obligé d'avoir les dents parfaitement droites. Hop et hop. Du coup, ça, on va venir, cette forme, on va venir la copier et la coller. On va augmenter, comme pour le haut, bah, son contour. Et puis, on va le replacer à peu près ici. Voilà, pour qu'il ait une belle dentition. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut, tant qu'on y est, créer la langue. Et puis la petite glotte. Donc là, on va venir créer le fond de la gorge. Donc à la limite, on peut resélectionner le haut de la sucette ici, là, histoire de récupérer son contour et sa couleur de fond. Et on peut venir même supprimer sa couleur de fond, reprendre l'outil plume, et là on va venir retracer un ovale qui va nous permettre de faire la couleur de fond de sa gorge. Donc l'idée, ça va être de créer un premier point d'ancrage ici. Vous voyez, sur le petit pic blanc, sur la pointe du pic blanc, on crée un premier point d'ancrage ici, et un deuxième à peu près ici, qui correspond au milieu, vous voyez, de l'ovale. On reste enfoncé, on reste cliqué avec sa souris, et on vient étirer sa souris vers la droite légèrement. Vous voyez, pour faire une belle courbe. On vient recliquer ici, de l'autre côté. Et normalement, on est presque bon, vous voyez, au niveau de notre courbe. On est presque bon, on va dire qu'on est bon, puisque cette forme, on la mettra en arrière-plan. Donc on peut relâcher. On va faire la même chose ici. Toc,
on étire et on vient fermer le tracé. Alors vous voyez, il y a un petit O qui apparaît en bas de la plume qui nous mentionne que là on vient bien fermer notre tracé. Donc là on sélectionne la forme que l'on a créée et on clique sur Objet, Disposition, Arrière-plan. Donc là on le voit plus, c'est normal puisqu'il est vraiment tout à l'arrière-plan. Et vous vous rappelez ce qu'on avait mis à l'arrière-plan tout à l'heure, c'était le contour en fait, le corps on va dire de la sucette. Donc du coup on va venir sélectionner le corps de la sucette et on va également lui cliquer sur Objet, Disposition, Arrière-plan pour vraiment le mettre en arrière-plan. Du coup là vous voyez que la couleur de fond de la gorge apparaît bien. Donc ces trois petites les trois petits bouts de papier bonbon là, on va venir les mettre aussi en arrière-plan. Donc Objet, Disposition, arrière-plan, voilà, on se retrouve avec quelque chose de convenable. On peut venir spécifier la couleur, la couleur la plus foncée. Donc à la limite on peut même venir cliquer, vous voyez, dans la gorge du modèle pour récupérer sa couleur. Ça me paraît un peu mieux comme ça. Là on peut venir dessiner la glotte maintenant. Donc on va venir prendre l'outil plume. On va venir switcher ici pour passer en contour. On peut se mettre en noir là pour voir un peu plus clair. Et là on va dessiner soit la plume, soit même au pinceau. Hein, si vous n'êtes pas très à l'aise à la plume, vous pouvez prendre le pinceau. Et vous pouvez essayer de dessiner quelque chose comme ça. Hein, ce qui va correspondre au fond de la gorge. Voilà. Vous pouvez venir prendre la pipette et cibler la couleur ici la plus foncée. Comme ceci. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner toutes les dents. Donc on peut venir même légèrement déplacer le fond de gorge vers le haut. Là, on va venir sélectionner toutes les dents du bas. Hein. Si vous sélectionnez quelque chose par erreur, vous rappuyez sur Shift et vous cliquez dessus. Plus la gencive ici du bas. Tac. Et on appuie sur CTRL ou CMD G pour tout grouper. Et Objet, Disposition, Premier plan. Du coup, ce qui nous permet maintenant de baisser un petit peu le fond de gorge, comme ceci. Voilà. Il nous reste une petite langue à créer. Donc, pour créer la langue, hein, on peut encore une fois prendre l'outil Ellipse, par exemple. On va lui spécifier une couleur. On peut prendre la pipette, hein, lui dire voilà la couleur la plus claire. Donc on prend l'outil Ellipse. Et on essaye de créer quelque chose comme ceci. Comme tout à l'heure, on prend le ciseau. Et là on va venir couper. Alors n'hésitez pas à bien zoomer pour être précis. Voilà. Et on va venir la placer à peu près comme ceci. On peut venir la rétrécir un petit peu. Voilà. Si bien qu'on peut venir resélectionner la gencive du bas et les dents, et Objet, Disposition, Premier plan. Donc là, on a notre petite langue. On peut même venir baisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc si les dents des fois repassent au premier plan, du fait qu'on a tout groupé avec la gencive la plus noire, vous pouvez prendre la flèche blanche, juste cliquer sur la gencive et refaire disposition premier plan. Tout simplement. Il nous reste maintenant à créer la petite glotte. Hein. La petite glotte, on va la mettre de la même couleur que le fond de gorge. Donc on peut cibler le fond de gorge pour récupérer cette couleur. Et là, soit on prend la plume, on fait un clic, enfin un point d'ancrage n'importe où. Un deuxième juste en dessous. On vient étirer légèrement vers la gauche. On rappuie sur le point d'ancrage qu'on a créé. Et on vient du coup faire la même chose de l'autre côté. Soit on fait quelque chose comme ceci. Soit sinon, on peut venir la créer directement avec le pinceau. On peut essayer de faire une petite goutte. Tac.
Voilà, à peu près quelque chose comme ceci. Qu'on peut venir réduire et positionner voilà, par là. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'être très doué en dessin pour faire ce genre de choses. On peut venir la mettre un peu plus haut et du coup, peut-être étirer un peu plus le fond de gorge. Voilà. Ça me paraît un peu mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre maintenant? Ben, on pourrait par exemple faire les pieds. Donc pour faire les pieds, ça va être que des ellipses encore une fois. Donc on va prendre l'outil ellipse. On va essayer de faire quelque chose, un ovale à peu près comme ceci. On va le remplir pour l'instant de noir. Hein, donc on peut reprendre la pipette, recibler la couleur de la sucette, du corps de la sucette. Et on va venir maintenant créer 4 cercles. Donc on peut appuyer sur Shift. Tac. Donc on crée 4 cercles, un premier qu'on va positionner à peu près comme ça, c'est un peu gros lui, on peut le réduire, un deuxième qu'on positionne à côté, donc on peut remettre le premier en premier plan, voilà, lui on le duplique. On le réduit un petit peu. On laisse là. Ces deux cercles, on les sélectionne disposition premier plan. Et ben, on peut recréer un dernier hein, qu'on peut mettre ici, qu'on réduit un petit peu. Et ces 3 cercles, on les remet en premier plan. Voilà. Après, ben, on peut voilà, réduire peut-être un petit peu le pied. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. On peut lui spécifier, enfin on peut le faire pivoter un petit peu. Donc là on pourra même le grossir aussi légèrement. Puisque là vous voyez, hein, l'idée c'était de mettre les orteils, hein, de les faire un petit peu dépasser. Donc on peut légèrement augmenter tout ça. Et au niveau de la partie basse, hein, faut vraiment que la partie basse arrive au niveau de son visage. Donc on peut venir, excusez-moi, étirer tout ça, on appuie sur Shift. On peut se donner un repère aussi. Hein. Toc. Donc là on voit qu'on est pas mal. On a peut-être étiré un petit peu trop, quoique. Quoique on est bien. On peut ramener à peu près, vous voyez le petit orteil, hein, il n'est pas très loin de... Là, ça me paraît pas trop mal. Bon, ça fait peut-être des gros pieds, mais on peut venir repositionner un petit peu les orteils. Tac. Peut-être le réduire lui un petit peu. Elle la réduire un petit peu aussi. Après, hein, c'est comme bon vous semble. Au niveau de la forme du pied, c'est vous qui voyez, j'ai envie de dire. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut juste resélectionner tout ça et augmenter légèrement voilà, la taille. Ok. Donc du coup, on peut faire un petit CTRL-G pour grouper tout ça. Et là, un petit coup de Alt et Shift pour dupliquer et rester droit. Un petit coup d'outil miroir. Tac. Et on va venir voilà, faire une symétrie de l'autre côté. Voilà, donc là je pense qu'on est assez bien. Il nous reste à créer notre petite sucette. Voilà, ça va être assez simple. Hein. On va prendre une forme, on va prendre déjà l'outil rectangle, on va faire le petit bâtonnet.
Voilà. On va prendre l'ellipse. On va créer un cercle en appuyant sur Shift. Voilà, qu'on peut descendre. Même s'il y a le bâtonnet qui est derrière, c'est pas très grave. Ok. On va venir maintenant recréer un... dupliquer donc ce cercle. Et comme tout à l'heure, on va venir, vous voyez, l'écraser un petit peu. Le redupliquer. Comme ceci. Tac. On sélectionne ces deux calques. Un petit coup de Pathfinder ici, soustraction. Du coup, on peut venir augmenter légèrement après. On l'augmente légèrement. Voilà, vous lui donnez en fait maintenant une forme. Vous venez styliser tout ça. Peut-être l'écraser un peu plus. Et voilà. Donc là, on vient de créer notre petite sucette. Vous voyez, qu'avec des formes simples. On peut venir sélectionner la sucette, CTRL-G pour tout grouper. Et là, on va la coller entre les orteils. Donc, on peut lui donner une petite rotation. Donc. À peu près comme ça. On peut même venir peut-être l'augmenter un peu. Et là, je vois que ma souris n'a plus beaucoup de de batterie. Donc, j'ai été obligé de couper pour changer mes piles. Voilà, donc là, ce qui va nous rester à faire, hein, c'est la petite flaque. Et puis, spécifier quelques ombres à droite à gauche. Ça y est, les piles sont remises. Alors là, au niveau de la glotte, c'est vrai qu'elle est peut-être pas du fond de gorge. On aurait pu arrondir un peu plus. Donc on peut resélectionner, prendre le pinceau. Vous voyez, on repasse dessus en fait, sur les points d'ancrage. On arrondit un peu plus en haut. Et hop, comme par magie. Tac, ça s'intègre tout de suite à la forme, donc c'est pas mal. Donc là, on peut venir commencer à placer quelques effets de lumière et d'ombre. Donc on va venir se positionner sur l'icône, enfin sur le visage. On peut reprendre la pipette, sélectionner, donc en fait on peut venir sélectionner le ton le plus clair. Donc en fait, on n'a même pas besoin des petits carrés du dessus, on va venir sélectionner directement dans l'image. Et on va venir lui spécifier un petit contour, une petite graisse de 3. Et au niveau du... On va se laisser en... On va pas se laisser en noir, on va mettre du... On va récupérer la couleur, par exemple hexadécimale. Donc la couleur hexadécimale de la couleur la plus foncée. Et on va venir la placer ici au niveau du contour. Ce sera plus simple. Voilà. Ok, donc du coup, on va faire la même chose juste en dessous. On sélectionne, on prend un petit coup de pipette. Tac. Voilà. Et on va faire la même chose avec tout en fait. Avec les pieds. Voilà. On va venir se prendre l'outil plume. Et maintenant, on va venir se mettre en blanc, en premier plan. On va pas mettre de contour. Tac. Et on va créer un premier point d'ancrage. On va prendre l'outil plume. Et là, on va venir créer un petit effet de lumière à la main. Comme ceci. On n'hésite pas à étirer. Donc on essaye de faire des courbes, puisque là le dessin il est vraiment constitué uniquement de courbes, de formes arrondies.
Donc voilà, par exemple, comment créer facilement une ombre. On peut jouer même sur les transparences. En cliquant sur transparence, en sélectionnant bien sûr la forme, et vous voyez, en baissant un petit peu l'opacité, ça peut être ça. Toutes les dents aussi, là, on va pouvoir déjà spécifier un contour. On peut recoller la valeur hexadécimale, ce sera mieux. Au niveau des gencives, on peut faire pareil. On peut même augmenter un petit peu si on veut le contour. Voilà, on peut le mettre à 6. On fait la même chose en dessous. Tous les contours là, tac, vu que c'est groupé, hein, parfait. On colle la valeur hexadécimale. Un truc en dessous là, je sais pas ce que c'est. Je vais le supprimer. Donc du coup ce contour, on va pouvoir l'augmenter aussi. Tant qu'à faire, le remettre à 6. Voilà. Donc là on est pas mal. On peut maintenant venir donner des petits coups d'ombre sur les dents. Donc on n'hésite pas à zoomer, de reprendre la couleur par exemple la plus claire, enlever le contour, et là à la limite, soit on prend l'outil pinceau et on essaye de faire une petite tache, vous voyez, comme ceci, ce qui va donner un peu plus d'ombre aux dents. Soit on est un peu plus précis et on fait tout ça bien à la plume. Toc. Voilà, vous voyez, puis après c'est facile hein, de dupliquer ça. En appuyant sur Alt, en pivotant, en augmentant légèrement de temps en temps aussi la taille de l'ombre. Après, c'est du détail, mais des fois c'est le détail aussi qui fait qu'on a un dessin qui est assez sympathique. Au niveau des transparences, on peut se mettre à 60 si on veut. Voilà. Sinon, il y a une méthode aussi qui peut être pas mal. Donc, c'est de copier-coller donc cette forme. On prend la pipette. Voilà. On lui spécifie la couleur que l'on vient de créer, la forme que l'on vient de créer. Et puis on réduit légèrement. Voilà, comme ça peut être ça aussi. Donc on peut le faire avec tous. Tac. Alt pour dupliquer. Un coup de pipette. On essaye de se positionner à peu près comme ceci. On réduit légèrement. Pas trop. Hein. Voilà. Donc là c'est pas mal, maintenant il nous reste plus qu'à déplacer nos points, enfin nos ombres sur le document. Voilà. Et voilà. On peut faire la même chose en bas aussi. Donc là on peut venir dégrouper, CTRL-SHIFT-G sur le groupe de forme, CTRL-C, CTRL-V, on prend la pipette. On cible la couleur à 60% en transparence. Voilà. On vient. Je sais pas pourquoi j'ai fait une rotation, c'est pas grave. On vient réduire tout ça. À peu près comme ça. Donc là, si on a des petits problèmes de plan, comme ceci, on sélectionne des groupes de calque, objet, disposition, premier plan. Voilà, au niveau de l'ombre, vous voyez, c'est tout de suite mieux.
l'époque. Et puis, on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus, hein, des ombres. Histoire de donner un petit effet de style par endroit. Bah, dans les angles, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc là, autant prendre... le pinceau, voilà, et faire une petite forme, pourquoi pas la dupliquer, voilà, sur l'autre. Ok, donc voilà, au niveau des pieds, hein, on peut faire la même chose aussi. Donc c'est-à-dire que soit on laisse les pieds comme ceci en rose, soit on les met en blanc et on applique une ombre rose. Donc c'est au choix, ou soit maintenant on applique directement l'ombre blanche. Donc on peut partir du principe qu'on vient appliquer une ombre blanche, une lumière blanche. Donc on se met en blanc en premier plan. Et puis bah là on va venir donner des petits effets de lumière à la plume. Donc on peut pas hésiter des fois à créer plusieurs points d'ancrage. Et là vous voyez, on peut faire une petite lune. Toc. On crée un premier effet de lumière. On peut faire la même chose avec l'autre. Toc. Et puis hein. La même chose ici. Là, pareil. Et voilà. Si bien qu'on peut venir... au niveau de son pied ici, va recréer un effet de lumière aussi. Donc je pense que ça aurait été plus simple, hein, de faire l'inverse, hein, de partir d'un pied blanc et rajouter des ombres. Là on fait un peu les guerriers. Voilà, on essaie de rajouter un effet de lumière à peu près comme ça. Et du coup, rien nous empêche de rajouter, comme sur l'exemple, tac, une petite couleur au centre du pied. Comme ceci. Ok. À la limite, on va venir dupliquer tout ça, hein, sur l'autre pied, on va pas se casser la tête. Tac. CTRL-C ou CMD-C, CMD-V. Un petit coup d'outil miroir. Puis on replace tout ça, voilà, de l'autre côté. Lui, on peut venir le supprimer. Ok, et du coup, voilà, on va pas venir le supprimer, pardon. On va venir placer tout ça en premier plan. Objet, disposition, premier plan. Voilà. Par contre, c'est vrai que le petit bout de sucette, on aurait bien aimé l'avoir. Donc au niveau de ce pied, on peut tout dégrouper en faisant CTRL ou CMD SHIFT G. Et sélectionner juste les orteils et la sucette, vous voyez. Et là, les disposer là en premier plan. Pour récupérer le petit bout en bas. Ok, donc c'est parfait. Cette sucette, le contour, on va récupérer la valeur hexadécimale. Donc on va la récupérer sur un élément. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, on peut rajouter une petite ombre aussi.
Donc on peut se repositionner sur la couleur ici plus claire et on va recréer une ombre, enfin une, pas une ombre mais une, un effet de lumière. Donc là vous allez voir, on peut faire n'importe quoi, tac, passer par dessus si on veut, parce qu'on va rejouer après avec les plans. Ça nous évite d'être trop précis. Si bien que tous les orteils ici et le pied, objet, disposition, premier plan. Voilà. On peut venir baisser un petit peu l'opacité aussi. Donc la transparence. La sucette, on va pouvoir la mettre aussi d'une autre couleur. On va pouvoir la sélectionner, la mettre en vert et celle-ci en vert plus clair. On va récupérer hein, les valeurs hexadécimales pour les pour le contour qu'on va pouvoir mettre en 2 ou en 3. On peut mettre en 3 et celle du milieu on peut peut-être mettre en 4, un peu plus gros. Voilà. Bon bah ma foi ça prend forme hein, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah bah là j'ai pas vu que j'avais mis ça en arrière-plan. Voilà. Le peut-être des petits effets de lumière sur bah sur le papier ici. Là. Tac. Voilà. Donc ça, on peut jouer encore une fois avec la transparence. Comme ceci. Sinon, vous n'hésitez pas, hein, vous faites une forme n'importe où, tac, que vous mettez, vous intervertissez tout ça, vous réduisez, et après, ben, vous le placez sur votre document. Vous pouvez créer des petites rotations. Voilà, comme ceci par exemple. On peut venir dupliquer ça par exemple ici. Tac, augmenter légèrement. Voilà, ou on recrée à chaque fois à la main ou à la plume. À la plume, c'est pas plus mal aussi de créer ça à la plume. Voilà, puis de l'autre côté aussi, hein, tant qu'à faire. Tac. Ici, on peut recréer un petit. Et ben ma foi, c'est pas trop mal. Au niveau de la choupa choups, hein, on peut pareil, hein, créer un petit effet dessus. Ici aussi. Donc là vous rappelez qu'on est en, on doit être en 70 hein, au niveau de l'opacité, même pas on est en 53, donc pas hésiter des fois à jouer aussi hein, sur l'opacité, là mettre soit moins enfin plus la lumière plus lumineuse ou moins lumineuse. On peut jouer sur peut-être des ombres un peu plus foncées hein, aussi. Donc là on va dupliquer ce calque, enfin ce carré. On va lui spécifier par exemple une couleur un peu plus foncée. On va se baisser là dans les noirs. Voilà. Ce qui peut nous permettre aussi de rajouter des ombres un peu plus soutenues par endroit. Donc je m'explique. Hein. Par exemple, on peut venir recréer, vous voyez comme ceci, une ombre. Donc on peut même dépasser un peu sur le document, c'est pas très grave. Vu qu'on est on a une couleur plus foncée. Par exemple, toc, vous voyez. On apporte un peu plus de profondeur hein, du coup à l'illustration. Et pareil ici, on peut venir tac. Créer une ombre. Hop.
Voilà. Et pareil hein, pour ici si on le souhaite. Tac. On va pas le faire pour tout hein, puisque sinon ça va être beaucoup trop long, mais là je vous donne quelques petites pistes. Donc après à vous de les utiliser. Et par contre, ce groupe là de calques, de formes, on peut lui dire de venir en beaucoup plus foncé, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut venir faire d'autre? Bah, replacer des petits zigouigouis de lumière. Par exemple, hop, ici. Un petit ici. Ah. Hop. Et ici. Voilà. On peut peut-être augmenter un peu plus ici l'opacité. Ok. Alors, on peut rajouter un petit I Love Sugar aussi. Donc, on vient prendre... On va d'abord faire le cœur. Alors, on peut faire un cœur assez rapide. Donc, si vous voulez, on peut même venir zoomer sur la compo ici. Voyez, tac. On peut le faire en 3 points, en 6 points d'ancrage, le cœur. Comme ça, on a le modèle juste au-dessus. Tac, on essaye de faire quelque chose d'assez courbé. On aurait pu mieux le faire là. Tac, on va le refaire ici. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va dire qu'on est bien. Bon, on n'hésite pas, hein. Hop, à l'étirer pour l'agrandir. Et puis bah ce cœur. Tac, on va le positionner à peu près comme ça. On va le mettre en vert. Hein. On peut lui mettre un petit contour. Donc on peut reprendre cette valeur hexadécimale. La coller sur au niveau du contour. Lui mettre un petit contour de 2. Voilà. Tac, on peut le repivoter un peu. Et du coup, là, on va taper I Love Sugar. Donc, on peut prendre l'outil plume. Faire un contour à peu près. Vous voyez, on se donne un repère comme ceci. Hop, et là on va prendre l'outil texte. Et on va prendre l'outil texte curviligne. Ce qui va nous permettre ici, si on clique sur le contour, de taper hop, eye et sugar. Et ça va suivre en fait le tracé que l'on a créé. On peut faire CTRL T pour afficher les caractères. On peut se mettre en Helvetica hein, si on veut. En Helvetica, en bold, et puis on peut se mettre peut-être en 40 pixels. On peut faire un espace comme ceci. Le I love, on peut venir le ramener un petit peu. Donc on était peut-être un peu gros en 40. On peut se mettre peut-être en 35. Le cœur, on peut peut-être venir le baisser un petit peu, le réduire. Voilà. Ça, on peut peut-être venir aussi le déplacer un peu plus par là. Le I Love Sugar, on va se mettre en blanc. C'est un peu mieux, comme ça. Et puis, ma foi, ça me paraît pas trop mal. On n'a pas fait les petites gouttes de bave non plus. Si tiens la glotte, le fond de gorge, on peut peut-être le mettre aussi en couleur plus foncée. Vous voyez, ça apporte un peu plus encore d'ombre. Et
Et aussi, à ce niveau, on peut peut-être créer une ombre aussi, vous voyez. Toc. Voilà. Donc on peut dépasser un petit peu, puisqu'on peut ramener après tout l'ensemble du pied. On n'oublie pas de tout sélectionner. On peut faire CTRL G pour grouper et de le mettre en premier plan. Voilà. Donc on est peut-être un peu fort au niveau de l'ombrage. Voilà, on peut peut-être lui mettre quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, on va pouvoir faire les petites gouttes. Mais avant toute chose, on peut peut-être venir aussi mettre une petite lueur là. Toc. Sur la glotte. Hop là. Voilà. Et tiens, elle est pas mal cette petite. Ça fait une petite goutte de bave en plus qu'on peut venir récupérer. Tiens, parfait, tiens, pour faire la bave ça. Donc on vient récupérer. Voilà. Donc hein, on peut. Sinon on peut vraiment la faire à la main aussi la bave. Donc. On fait ce genre de choses, hein. Ça crée. Voilà, non. Là, elle est peut-être pas terrible celle-là. Pas hésiter à faire quelques petits zigzags comme ceci. Là, vous voyez des petits zigzags. Bon, des fois, on se loupe, on trouve ça pas terrible, alors on recommence. Toc. Donc on peut venir rétrécir certains petits filets de bave. Toc. Voilà, et puis pourquoi pas en dupliquer aussi en les rétrécissant. Toc. Par exemple, voilà, donc on peut venir aussi, si on le souhaite, créer des ondes portées. Donc on peut venir dupliquer ce calque si on veut, hein. Le mettre en couleur, vous voyez, beaucoup plus foncé, et cliquer sur objet disposition en arrière. Comme ça, il vient directement se mettre derrière la forme principale. Ici, et voilà, et faire la même chose hein, si on le souhaite avec l'autre, on le duplique, hop, on sélectionne du coup la couleur ici la plus foncée, objet disposition en arrière, et on peut donner des coups de flèche directionnelle, hein, voilà, et on peut faire la même chose avec tout, c'est-à-dire on sélectionne tout, on duplique, on en couleur plus foncée. Et puis à la limite, ce qu'on peut venir faire, hein, là, c'est zoomer, sélectionner en faisant Shift, pardon, les quatre éléments blancs, disposition, premier plan, et voilà. Bon, c'est rigolo. Et on peut venir maintenant créer, si on le souhaite, la petite bave ici. Donc on peut se mettre, on peut prendre la pipette, sélectionner la couleur vert, et là avec le pinceau, on vient créer voilà, une mare qu'on vient mettre objet disposition arrière-plan. On peut venir rétrécir peut-être un petit peu. Voilà. Et puis on peut venir hein, avec l'outil pinceau, encore une fois, rajouter de la lumière. Donc on peut sélectionner une couleur transparente pour l'avoir ici en premier plan. Et vous voyez, hop,
donner des petits coups de pinceau. Voilà. On en met un petit peu partout. Et à la limite, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est prendre encore une fois l'outil pinceau et là, faire une sorte d'ombre portée, tac, comme ceci, qu'on va remplir de vert, mais d'une couleur un peu plus foncée, là, par exemple, tac, et on va mettre ça en arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan. On resélectionne la grosse mare verte, objet, disposition, arrière-plan. Et voilà, comme ça, on vient de créer une petite ombre portée de notre petite sucette. Puis on peut déplacer à tout moment, rétrécir aussi à tout moment les effets de lumière. Voilà. Bon bah c'est, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez rigolo. Ce que j'ai tendance à faire une fois que j'ai terminé une création, c'est de tout sélectionner, d'appuyer sur Alt, de la sauvegarder sur le côté, vous voyez ici de mon document, et du coup de tout sélectionner et de décomposer l'aspect. Et de cliquer maintenant sur décomposer. Parce que vous vous rappelez, on a mis quand même des contours à certains éléments de la création. Donc on a mis du contour de 6 pixels, du contour de 3 pixels. Donc le truc, c'est que si là on rétrécit la création, je vais vous montrer. Si on rétrécit la création, regardez si je zoome. Ah, les contours, ils sont toujours à 6 pixels. Donc ça fait vraiment quelque chose de très moche. Et du coup, si on clique sur Objet décomposé, donc là on fait OK, et que je réduis à fond ma petite sucette, alors regardez, les contours en fait se sont ajustés par rapport à la taille de notre image, de notre bonhomme. Donc là, si je l'augmente, pareil, hein, toc, à fond, voilà, les contours s'adaptent. Donc pensez à faire ça, hein, dans vos illustrations. Et donc après, voilà, vous pouvez l'importer facilement dans Photoshop, créer des PNG si vous le souhaitez, faire ce que vous voulez, appliquer de la matière sur Photoshop. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant aussi de voir, c'est affichage tracé. Voilà, regardez tout ce qu'on a fait. On a fait quand même beaucoup de tracés, mais ça nous a permis de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, hein, à partager ça autour de vous, et je vous retrouve prochainement pour un prochain tuto. À bientôt.